Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda The Wind Waker. On est dans une pièce où la dernière fois, dans le temple de la Terre, je ne trouvais pas ce qui se passait parce que je croyais que ça-ci était un trésor vu de loin. Alors qu'en fait, si je disais, c'est un gros bouton qui ouvre ceci. Donc là, on va descendre. Voilà, déjà, premier trésor. Ah, c'est un rubis violet. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est un rubis, mais... disparaître les éléphants. Je t'ai eu! T'as un peu triché là quand même. Là je t'ai pas si bien eu que ça parce que il m'a pas tout viré. On dira rien, hein? Il y en a aussi là-haut? Mettre là-bas.
Deuxième coffre. On va peut-être à plus vers la fin, hein? Et le dernier. Et normalement, ça devrait être bon. J'ai juste une question. Est-ce que je peux remonter si je descends par ici? Hmm.
Je savais bien qu'il y avait un coffre qui allait apparaître. J'ai un gros doute à un moment donné. Carte au trésor, ok. Maintenant, il va falloir aller faire mes muses. L'heure du marionnettiste. Allez, toi tu vas aller là-bas. Vachement long le donjon. Comment je les abats ces machins là. Faut pas les abattre. J'ai
pas de lumière. J'arrive pas. Moi j'ai perdu. Et c'est sur ce beau petit fail qu'on va s'arrêter là. Hein, puisqu'on va reprendre là, on s'était arrêté. J'espère juste avant de... On va voir où est-ce qu'il nous a remis. Juste là. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, vous avez bien rigolé devant un vrai calvaire. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao, ciao tout le monde.